Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous trouve pour la présentation finale de cet album, Focus on the Good. Et pour réaliser cet album, moi j'ai utilisé deux blocs 30-30 comme ça, mais il me reste pas mal de papier dans le 12e et des petites chutes aussi. J'ai utilisé deux blocs parce que j'ai certaines pages que j'ai beaucoup aimées, du coup j'ai récupéré dans cette bloc aussi. Et aussi certaines cartes que j'aimais beaucoup, du coup j'ai pris les cartes qu'il y avait dans cette bloc aussi. Du coup, pour ça, j'ai besoin de deux. Mais si vous utilisez vraiment tous les papiers, je crois que vous arrivez à faire avec un seul. Mais moi, j'ai pas utilisé vraiment tout parce que j'ai pas utilisé certaines pages avec du noir ou des choses comme ça. Du coup, j'ai récupéré deux blocs. Voilà. J'ai utilisé aussi du papier blanc 210 grammes et du papier caramel 160 grammes pour faire cet album. J'ai utilisé aussi cette dies qui vient de la marque Cocorosa Studio. Je vous mets toujours dans la barre de description mon petit code, comme ça vous avez la réduction et aussi les liens de tout l'article que j'ai utilisé. En fait, j'ai utilisé celui-là, celui-là et les étiquettes comme ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé de travailler avec les dies et en plus de ça, ils ont un très bon prix. Maintenant, je vous montre l'album. Il est là. En fait, j'ai récupéré le Focus on the Good et des petites fleurs qu'il y avait sur la couverture du bloc. J'ai utilisé die cut, des découpes qu'il y avait à l'intérieur sur la page à découper et j'ai tout collé en 3D. J'ai mis ça sur une grande carte Herfel Création. Voilà, j'ai utilisé cette die, celui-là, et j'ai utilisé le grand, comme ça j'ai mis le Focus on the Good ici et j'ai mis du glossy accent sur la écriture. Sur les petites fleurs et ici sur les découpes. Là, j'ai mis une morceau de dentelle blanche. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais il y a une dentelle ici. Avec cette découpe, ça donne ça. Et le dos, il est tout simple. Ça fait un gros album. On a la place encore de mettre pas mal de photos. Du coup, il est super. Quand on ouvre. On a ici, ça on a fait déjà ensemble. On a ici cette découpe et on ouvre tout l'album. Il est fait avec du ruban, flippette et scratch. J'ai pas utilisé aucun aimant dans cet album. Du coup, vous trouvez vraiment tous les matériels chez Action pour faire les fermetures. Ici, on ouvre comme ça. Et là, on a encore la place pour mettre une petite photo. Et là, on a un tag. Et un livret comme ça pour mettre trois photos. On va compter ensemble à la fin combien de photos on peut mettre à l'intérieur. Ici, la pochette avec le dies. Sur cette côté, là, c'est tout simple. On peut rajouter deux grandes photos. Et ici, on a deux pochettes. Dans la première, on a un tag et après un livret pour mettre trois photos. Et dans la deuxième, on a deux tags. Deux livrets, pardon, où on peut mettre chaque fois trois photos. Il reste juste je fais le tamponnage, j'ai pas fait encore, mais je vais faire ça après quand je vais finir cette vidéo. Voilà. Sur la première page ici, j'ai mis cette carte et j'ai mis des strass tout autour. Et après, on ouvre comme ça et on a un place photo ici, encore un place photo ici, un grand ici. On ouvre encore une fois. Place photo grande ici. Ici, un tag dans cette pochette, mais on peut rajouter toujours des photos. On ouvre en bas place photo. Ici, dentelle et une jolie découpe. Et à l'intérieur, on a une pochette où on peut glisser trois photos, bien sûr, dans cette livret, mais on peut mettre beaucoup plus si on a envie. C'est en fonction de comme vous voulez. Et après, on ferme tout comme ça. Voilà. Ici,
J'ai mis cette carte en 3D. J'adore. Les cartes qui sont dans cette bloc sont magnifiques. J'ai mis des strass toujours. Une petite flippette. Comme ça, on ouvre ici et on a deux places photo. Des grandes places photo. On ouvre comme ça. On a une place photo ici. Et ici, une petite pochette avec un petit livret où on peut mettre trois photos. Sur cette côté, on a exactement la même chose. Une photo ici et un livret ici pour mettre trois photos. Là, j'ai mis cette découpe, là, de la dentelle et des strass. Et on ouvre ici, on a un livret pour mettre trois photos. Et là, on a des places photos. Et on ferme tout avec ça. Et après, on ferme comme ça. Comme ça. Et après, avec la flippette. Ici, j'ai mis une dentelle avec des strass au milieu. Et ici, la fermeture, il est faite avec cette découpe lune, comme ça, que j'ai découpé dans le grand feuille où on a plein de choses à découper. On enlève ça et on a ici des places photos. 1, 2, 3 places photos. J'ai laissé blanc presque toutes les places photos parce que je veux pas encombrer plus avec le papier uni plus les photos après. Ici, on fait exactement la même chose. Voilà. Après, on ouvre comme ça. Là, on a une petite composition en 3D. Et ici, on a un petit livret pour mettre trois photos. Ici, on a de la dentelle et cette magnifique découpe bordure. Et là, on a un livret pour mettre toujours trois grandes photos. Ici, on a une pochette. J'ai mis de la dentelle. On a un livret ici. Et celui-là, il tient fermé les quatre places photos qui sont ici, plus deux qui sont là. On ferme comme ça et après on remet le livret, on ferme et on remet ici les places photos qu'il ferme toute la page. Sur cette côté, j'ai mis cette carte et cette carte, il ferme en fait notre page avec des scratchs. On ouvre comme ça, grande place photo, une photo grande ici, une photo grande ici. Ici, une petite cascade où on peut mettre pas mal de photos. On ouvre comme ça et ici on a une pochette. J'ai mis cette carte pour décorer la pochette et ici on a un livret pour mettre trois photos. On ferme celui-là, on ferme celui-là, celui-là et après on ferme les scratchs et la page il est fermée. Ici on ouvre notre page comme ça. On ouvre notre page comme ça. J'ai utilisé un étiquette comme ça, un petit tag comme ça, étiquette pour faire la fermeture. On fait la découpe, on descend comme ça et on sort le place photo. Ici, un place photo. Là, on a une cascade qu'on ouvre comme ça. Pardon, comme ça. Et on peut mettre encore pas mal de photos. Voilà, sur le dos, c'est tout blanc. C'est pas évident parce qu'il est assez grand, l'album. Voilà, et on ferme toujours avec le ruban. Ici, on a un passant où on peut mettre ici un livret avec trois photos. Ici, et ici, pareil, un livret où on peut mettre trois photos. On descend celui-là. On ferme celui-là, on va mettre ça à sa place, on monte la découpe et après on ferme avec notre ruban comme ça. Voilà. Et il tient tout fermé avec aucun souci. Et ça nous permet aussi de mettre les photos à l'intérieur parce qu'on peut rajouter toujours de la épaisseur parce qu'ici on a 0,5 sur cette côté. Après, sur cette côté, j'ai utilisé des rubans perles cette fois, pas des strass. Voilà, une petite carte. On ouvre avec le ruban toujours. Place photo ici, des places photo ici, 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 ici et ici.
Et au milieu, on a la place pour mettre des grands places photos. Et on va tout fermer avec le ruban. Sur cette côté, j'ai mis là une découpe, ici deux petites découpes. On ouvre toujours avec le ruban. Et ici, on trouve des places photos, places photos, places photos. Et après, on trouve des livrets pour mettre 4 photos cette fois. Ici encore, un livret pour mettre 4 photos. Et ici encore, un livret pour mettre 4 photos. Parce que là, on a 3 pochettes. Voilà. Et on ferme comme ça, comme ça, comme ça, et après comme ça. Ici, sur cette côté, on a cette découpe avec des strass ici. On ouvre avec les scratchs. Et là, on trouve des places photos. Ici, pareil, un grand place photo. Ici, deux. Ici, encore deux. Là, encore deux places photos. Et ici, encore deux places photos. Plus le grand ici. Là, j'ai mis deux morceaux de dentelle. J'adore cette page parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de places photos. Et voilà. Et sur la dernière couverture, ici, j'ai fermé avec un grand ruban. Là, j'ai mis des petites perles avec un strass au milieu sur la pochette. Et on a un livret pour 3 photos ici. Un livret pour 3 photos ici. On ouvre comme ça, grand place photo. Ici, on a un petit tag. Dans cette découpe 3D, ici on a deux tags plus un livret pour mettre 3 photos. On ouvre grand place photo. Ici on a un petit place photo avec une bordure qui est fermée avec le ruban. Ici pareil, et on a encore des places photo à l'intérieur. Voilà. Je veux compter vite fait toutes les places photos qu'on a à l'intérieur et je reviens. Dans cet album, on peut mettre minimum, oui, minimum 140 photos. Waouh, il est énorme. Il est énorme, mais comme d'habitude, tous mes albums sont comme ça. Tous mes albums sont vraiment énormes. J'adore les places photos, j'adore mettre beaucoup de places photos. Du coup, toujours, c'est comme ça. Il est à la vente, bien sûr, toujours. Vous savez très bien, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.